On voit la trogne de Pépé. Bah ouais, tu vois ma trogne. Alors, Gavlov, ma belle voix. Et Gavlov, tu te sens coupable d'avoir télécommandé la mort de 4 Redfish sur le 4? Te sens-tu coupable? À la gourmandise, hein. Pépé fatigué, non, ça va, c'est que du E4, les gars. Attendez, quand je me tape 10 heures de route sur la côte sud, dans le verglas et dans la neige, c'est autre chose, hein. Là, bon, je reste payé pour faire du jeu vidéo, hein. La vie est chouette, quoi, tu vois. Bon, il la charge, cette bataille, sur... T'es encore dans le chargement, là? Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il était juste... C'est peut-être que c'est le premier chargement de bataille, donc c'est un peu long, ça. Ouais. Alors... Ah, ça m'a mis que je crois que t'as quitté. Ah d'accord. Bah, je crois qu'il s'était passé la même chose. Il s'est passé la même chose. Ouais. Ah putain, bon, je vais voir. On va recharger l'autosave, hein. Ouais, bah ouais. Et fais chier, putain. Quoi ça sert que je me fasse chier à faire une flotte si je peux pas l'utiliser? C'est absurde. Bon, je vois si je peux me replier, et sinon, on fait la bataille, hein, et rien à foutre, hein. Ouais, bah oui, hein. Pas le choix, hein. De toute façon, c'est pas mon armée. C'est vrai. Voilà, c'est créé. Ok, c'est bon. Ah, fait chier, hein. Donc ça, c'est un problème de... Putain, le jeu tourne bien, mais pas les batailles navales. Ouais, y'a un... Je sais pas, il va avoir un problème. Alors que ce move de merde, on l'a déjà fait. Ouais. Bon, c'est moi qui vais essayer de me parer. Il veut peut-être des morts, obligatoirement, je sais pas. Je sais pas, hein. Ça serait nous, on aurait fait la bataille et après si ça avait bugué, on se serait démerdé pour pas l'annuler, mais on aurait supprimé nos flottes après comme on avait fait l'autre fois. Mais on peut même pas vu que c'est une IA à la con. Bah la dernière fois on avait fait auto-resolve, de toute façon moi je perdais donc... Après toi c'est juste toi il restait ta flotte. Mais bon le problème c'est que même les armées, ils auto-resolve, ils les donnent gagnant. Mais c'est ça le problème, sinon je la prends l'auto-resolve. Mais je suis donné perdant alors que j'ai une flotte de guerre lourde. C'est absurde, ouais. Au pire, je perds ma flotte, mais au moins je lui coule masse bateau, tu vois. Mais là, j'ai même pas le droit de jouer, quoi. On se fout de ma gueule. Un petit peu. Bon, ah, t'aurais pu. Ouais, t'aurais pu faire la sauvegarde rapide sur la bataille. Ah putain, mais ouais, t'as raison. Je suis trop con. Bon, on va faire la sauvegarde rapide. C'est pas. Attends, le problème, c'est qu'entre temps, j'avais fait des choses, tu vois. Ah, bah non, c'est bon, il me l'a sauvegardé, parfait. Let's go. Oui, c'est non, ça. Juste bah oui, quand c'est tu ça. Cliques, là j'aurais dû me mettre en... C'est pas grave, c'est du détail. Alors, en espérant que les pirates font la même chose. T'espères, hein. Bon attends, je vais aller me prendre un petit mix. Ah. Ah. Hop. C'est quand même absurde que nos minions refusent nos paix alors que la guerre est finie, tu vois. C'est quand même bien con, quoi. Ouais, mais la guerre est finie juste entre nous, mais pas avec les IA. Bah ouais, mais c'est ça qui est con. Normalement, ils devraient accepter nos offres de paix vu que c'était que des partenaires mineurs de la guerre. Ouais, mais bon, c'est comme ça, les totalois. Ouais, les totalois. J'ai plus souvenir si dans les autres. C'était aussi bugué, dans Warhammer, je sais plus si les vassaux, quand tu fais la paix, tu fais la paix. Ouais, je crois que ça, tu fais la paix avec eux aussi. Mais ouais, ouais c'est juste Rome 2 en fait. C'est Rome 2 qui, comme d'habitude, a été fini par le trou de balle. Enfin, n'a pas été fini, tu sais, tout simplement. Ouais. Et on sait que bon, les Total War et la diplomatie, ça a jamais été leur point fort non plus. Hein. Ouais, ils s'améliorent un peu, mais c'est pas assez. Ouais. Vite fait. Ils font un truc pour que ça aille un peu plus vite. Ouais. Ah, les pirates illyriens qui viennent te faire chier. Ouais. Allez. Ah là là. Rome, l'Italie saccagée. Aïe aïe aïe. Quand c'est pas entre les Romains, c'est avec les pirates. Ah, les pirates qui prennent pied en Italie, au secours quoi. Ouais. Ils prennent ma ville, ils triplent l'économie de ma ville, quoi. Salut, hein. Bon, là, je vais me replier. Retreat, retreat. Dans ouais, le non, port. Non, plus loin. Plus loin, ok. Oh, il n'aura jamais la porte. Ok, il va... Et s'il poursuit en pleine mer, peut-être qu'en pleine mer, ça fonctionnera.
Ah, attends. Ah non, il te oh, siège. Oh, il m'attaque. Oh, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste, hein. Bon, bah, c'est parti, bataille. Pour la peine, Ragnar, tu vas pas jouer, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ton joker, il est déjà passé. Bah ouais, mais là c'est pas juste. J'ai pas de chance. Normalement, ça, il a pas le droit de faire ça, mais c'est un exploit bug. Sa flotte, elle arrive pas, normalement. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. On va pas le choix, hein. Putain. C'est casse-couille, ça. Je me fais chier à faire une flotte, ouais. Et je peux pas l'utiliser, quoi. T'as une belle armée, quand même. Bah non, mais bon, c'est le principe de... Ouais, bah... Rome 2 et ses bugs. Ouais, ouais. Ça, c'est... Je suis bien niqué, hein. Putain. Bah, joue, là, qu'est-ce que t'attends? Bah, j'ai cliqué. Putain. Et ma flotte, elle aurait pu aller au port, comme ça j'aurais pu l'utiliser après directement en bataille, mais non, quitte à me faire baiser, je me fais baiser entièrement. Hein. Putain de jeu de merde, les gens qui ont codé ça, je déteste quoi. Putain, mais à quel moment vous vous dites qu'il n'y a pas un problème avec votre jeu à la con quand ça arrive pas à faire une bataille navale sans planter quoi. Ou alors mais supprimer les bateaux. Et c'était pire encore au début. Hein. Ah ouais. Putain, je me fais tellement baiser. Rome 2, il s'est rattrapé avec les DLC, mais sinon, au début, c'était pas ça. Hein. Ah, toujours la même cité. Ouais, ouais, Panormos, rasé 5 fois. Alors, c'est la flotte qui m'attaque en premier, intéressant. Putain. Oh, hé, qu'est-ce qui est. Qui sien ? Non, c'est mon jeu qui est complètement bugué, ok. Bah, moi, je suis prêt, hein. Putain. Et en plus, on te fait une espèce d'armée grecque top tier. Ah, y a beaucoup de phalanges. Ah oui, beaucoup de phalanges. Et les Libyens, ils sont plus forts que les Grecs, normalement. Ouais, non, que dalle, j'ai pas de grosses phalanges, moi. Après, je crois que dans ces armées, il a pas beaucoup de tireurs, donc... Si t'as dit beaucoup de tirs, t'as un avantage. Ouais, mais c'est juste le principe que je me fais chier à. Et ouais, bah oui. Et mais... baiser par le jeu, tu vois. Quand je perds une bataille, je perds une bataille, mais là c'est littéralement le jeu qui me baise, tu vois. Ouais. C'est ça qui fait chier. Hein. Allez, let's go. Enemy reinforcements approaching. Voilà. Ça va m'attendre sur la plage. Ah, je fonce. Hein. Que ça passe. Oh là, les navires, ils vont 2 à l'heure. Oh, oh. Like men.
ready, willing and able. J'aime pas trop ce qui se passe. Quand même, ils ont mis autant de temps à t'adapter, genre si t'es sûr. Et à côté. On your orders. Ready, willing and able. Javelin men. Putain, mais l'armée grecque, elle est tellement OP en plus, c'est frustrant. Putain, mais perdre à cause d'un bug, c'est pas acceptable, quoi. Allez, vas-y, j'ai même pas le droit de détruire ça. Et les bateaux? Bah ouais, les bateaux qui sont sur la plage, bah, t'as pas le droit de les détruire, t'as pas le droit de pendant qu'ils sont chargés. Ouais, pendant l'action débarquement, ouais, c'est bugué quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Our general is under attack. Ah, mais les la cave qui fait n'importe quoi, replie-toi! Incroyable. Ah, la cave qui fait Gérald qui se fait allumer. Mais ma cavalerie qui sert à rien, mais va te faire mettre. Vous allez, bande de teubés. Oh, mais putain, mais là, c'est intuable en plus. One of our units has used all its ammunition. Oh. Que de la phalange lourde, vas-y, mais c'est quoi? Indécent. Et ça crève pas, hein. C'est intuable. Ouais, ça reste super bien. Oh ouais, mais putain. Injouable pour moi. C'est un bug, mais vas-y. Putain, ce genre de truc qui me donne pas envie de jouer, quoi. Intuable. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ah oui, je vais casser la gueule sans problème. Ah oui, en face il y a que de la phalange lourde, mais ouais, mais bon. Faut que je fasse une flotte si je peux pas couler les bateaux comme ils sont censés couler. One of our units has used all its ammunition. We await your orders. Riders at the double. Load fire them. Orders, my lord. Ready, willing and able. Off the day. Ready. Orders. Advance.
advance at speed. All men ashore. Off the boats. One of our units has used all its ammunition. Et là, ça meurt pas. Intuable, 230. Mec, son coup de flanc et tout. Ouais, même tu charges en dos. Allez, ça tombe. Ouais, t'as tué un général. Le moral, au moins, ça tombe. Oh, et puis là, je me fais casser la gueule. Mais putain, attaque-toi! Oh! Merde! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Back, back, withdraw! Putain, on peut pas s'amuser, hein. Merde. Et voilà, bah, je vais perdre une bataille de merde. Que c'est fou, ce truc. One of our units has used all its ammunition. Javelin men! Putain, là, c'est intestable. Cavalry! Je déteste ce putain de jeu, hein. Buggé, mais à un point. Putain, l'unité de phalange, quand tu lui dis d'attaquer, elle a une position bizarre. Hein. Peut-être charge là, s'il vous plaît. Our men flee the field of battle. Putain, ici, ils veulent pas débarquer. Mais putain, et là. Flee the field of battle. This is a shameful display. Orders! For honor! Ready! Flee forward! Scrappers, ready! Scutari! Our men flee the field of battle. Oh putain, même, je me fais découper par toute l'infanterie qui passe. They will bleed for us. Cavalry! One of our units has used all its ammunition. Là, les mecs sont encerclés. Allez, attaque là, s'il te plaît. Oh! Mais le mec panique et il se... Il est pas en colère. Ça ne sert à rien. Putain, je déteste l'IA qui refuse de décrocher. Allez! Je sais même pas où il va, je sais même pas ce qu'il branle. Je quoi, ton unité? Mais je sais pas ce qui branle là. Putain. Comment on peut être aussi bugué? Quoi, ta cavalerie? Oui, bah mon général qui fait n'importe quoi. C'est extrêmement frustrant. Il glande le machin. Et là, pareil, les mecs. Putain, je déteste se battre contre des putains de grecs qui auraient rien à foutre là. Et l'autre, il se bat. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Completez, ready! Heavy horse at your command. Here's ready. For glory! Completez! Non mais là les mecs sont encerclés quoi, à un moment. Ils sont encerclés, ils sont dans le vert. C'est incroyable. Putain, mais j'en ai plein le cul quoi. Déjà que le jeu me nique. Littéralement le jeu me nique. What are your orders? J'ai pas le droit de jouer. Cavalry. L'autre il attaque pas au bon endroit parce qu'il considère que l'unité n'est pas là. Mais peut-être il y a juste un mec. Mais oui, à l'autre bout.
Ce jeu absurde. Absurdément con. This is a shameful display. Get running! Non mais les mecs sont 137 sur 300. Very light infantry, ça tient en mode YOLO. Et là, c'est lui qui me met en panique. Incroyable, hein. Incroyable. Est-ce que c'est très discipliné, les phalanges, c'est pour ça qu'il... Bien sûr que c'est très discipliné. Déjà que j'affronte les Romains, toi t'affrontes mes gibbons, hein. Attends, moi je me tape les Grecs, tu sais. Et en plus... Les gibbons, ils sont 300 quand même par unité. Et en plus, j'ai pas le droit de jouer avec mes bateaux. Alors je me fais chier à faire une flotte, hein. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Et là, je vais te casser la gueule par des phalanges. Rien que je puisse faire. Putain, les mecs ils sont 148. Sauf que là, non, mais tu fais chier aussi à envoyer 6 mecs. Le reste de l'unité est pas là. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Les mecs sont intuables. Hein. Les jumps phalanges. Et là, c'est moi qui panique. C'est moi qui panique. Voilà, c'est moi qui me fais dégager. The guards are with us. One of our units has used all its ammunition. Putain, il y a des Libyens quand même sur la place, ils ont... En face à face avec des phalanges, ils ont quand même fait plus de 120 kills. Bah normal, hein, ils ont 14 de... Putain, ils citent Heavy Phalanx, ils ont rien pris. Ah bah les mecs sont 209, on est bien. One of our units has used all its ammunition. Allez, si ça, fuir. Ready for battle. Let's... What are your orders? We understand. C'est stupide. Le jeu est stupide. Ready! Not advance at speed! Putain. Qu'est-ce qu'il fout, mon général? Oh! Non mais putain, t'as séparé des unités, il y a des petits morceaux par-ci, par-là, et l'IA comprend pas dans le genre. Je les contrôle pas, genre. Mais bien sûr que si, tu les contrôles. Mais oui, mais j'aurais donné un ordre, mais je sais pas pourquoi, il y a que la moitié qui vient, genre. Putain. Double time! At the double! Pourquoi il y en a que tat ici? Déjà que tu me pètes les couilles à vouloir faire cette bataille, buggé as fuck. Je me demande pas pourquoi je te l'accorde. Je vais faire un vieil abus de pouvoir pour dire que je la fais pas. Bah fais-le. Mais non. Si tu veux, on recharge. Mais non, trop tard. Hein. Si je la perds, c'est tout. Hein. Juste pas normal que... qu'on la fasse déjà dans un premier temps, donc... la flotte aurait dû interdire que ça arrive, et que je me suis fait chier à faire ça exprès pour, quoi. Allez, c'est bon, maintenant il est en ville. Putain, mais il y avait combien de phalanges lourdes, quoi, c'est fou! Je crois qu'il y en avait 5 ou 6, 5 par armée, je crois. Vas-y, quoi. Putain, là, il y a même de la cavalerie lourde. Riders at the double! We will darken the skies!
Ah non, mais la pire bataille possible. La pire bataille possible, hein. Donne pas envie de jouer, hein. Voir des bugs pareils. C'est stupide, hein. One of our units has used all its ammunition. On va attendre que tout arrive. Ils sont le reste de cette unité là. Ils sont 6 ici. Scutari! Father! Missiles at your command, Scutari! Infanterie lourde. Des phalanges en vue. C'est ingagnable cette bataille. Le fait d'affronter d'infanterie lourde, autant de phalanges. Riders advance at speed! Riders at the double! Javelin men! We understand! Warriors ready! Light infantry ready! Allez, voilà. Et vite phalanx, et vite phalanx, et vite du plaisir. Completez! Forever loyal! Battle ready! Scutari! Boop! Quoi c'est... Je ne peux plus donner d'or à cette unité. Il y a deux unités de CAC qui sont buggées. Je vais pas te plaindre, écoute. Hein. Non, non, mais... Tant pis. Putain, tant de troupes lourdes. Bon allez, on va la perdre, ça me saoulait. Aucune chance. Cavalry. Balhamon has blessed us. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. C'est absurde. Orders, my lord. Scutari. Kill, kill, kill. Bah oui, me pète pas les couilles, espèce de MVP. Our men flee the field of battle. Non, mais sauf. This is a shameful display. Ça me dérange pas de perdre des batailles, mais ça me dérange de les perdre quand elles devraient pas arriver en fait. Ça le truc. C'est que là, je perds une ville importante, je perds deux armées, alors que j'avais pris mes précautions pour pas que ça arrive, quoi. C'est stupide. Je m'en fous de faire des batailles, mais pas quand c'est le jeu qui me fume, qui me nique, quoi. Allez, on va aller en accélérer. En plus, c'est pas... Lui, il a eu la chance d'avoir mes armées de gibon. Là, il a du grec discipliné, avec de l'inflourde et tout, quoi. C'est pas la même, hein. Ouais, c'est différent. Mais complètement, et en plus c'est bugué, c'est ça le truc, c'est que... Donc, surtout la bataille navale, les batailles navales qui sont buggées. Mais bien sûr. Éclaté, on a aucune chance. Oh, putain, bonne soirée. Hein. Là, ma cavalerie, elle veut pas passer. Et forcément, les phalanges en ville, c'est intuable. Shieldman! Putain, ici, c'est l'allée médium et ça ne fuit pas, quoi qu'il arrive. Our
our men flee the field of battle. This is a shameful display. Orders, my lord. Rock advance at speed. Oh, je suis malheureux, hein. Ça va vous dégoûter du jeu, hein. Riders, forward. Advance at speed. Riders at the double. À vous dégoûter de ce jeu de merde, hein. Les bugs, hein. Riders, advance. Ouais. Non mais j'aurais pas dû la faire la bataille. Our men flee the field of battle. Je sais pas pourquoi je t'ai laissé la faire. Parce que bon, c'est quand même une bataille énorme en termes d'impact quoi. For honor. Et moi j'ai pas tes légions derrière pour tout reprendre. Là littéralement la Sicile y a rien, j'ai plus d'armée. Hein. For honor. Si tu veux on recharge hein. Trop tard hein, PPR hein, fallait me dire avant que tu la jouais pas hein. Toi qui vois, hein. Eh ben non, trop tard. Ce qui est fait. Tu vas devoir subir mon sel maintenant. Y'a pas de souci. Ah si, y'a un souci, hein. Si, si, hein. Moi, je... Là, à la première occasion que je peux te niquer, je vais le faire. Hein. Putain, et ça se rend pas... Mais y'a cavalerie qui part. Mais pourquoi ils partent? Ah ouais, d'accord, c'est les cavaliers qui sont morts. Advance. Je vois pas le rapport, El Famoso. J'ai autre chose à foutre que penser à mes litrons de bière là. Je suis pas alcoolo, mec. Putain, ça. Tu penses à tes litrons qui t'attendent, c'est genre. Pense à tes litrons pendant une bataille. Une bataille, tu sais, j'ai que ça à foutre que penser à mes litrons, tu sais. Je me fais cut par le jeu et tout, tu vois, j'ai autre chose à foutre que penser à mes litrons de bière, excuse-moi. Mike infantry ready. Our orders, as you say, we fight or we die. Our men flee the field of battle. Qui fuit là-bas? Putain, et le général, oh! Une charge, s'il vous plaît. Scutari. Battle ready and eager. Move it. Riders at my the double! Triple honor! Scutari! We'll kill them all! Scutari! Même, c'est quand même serré. Hein. C'est serré parce que j'ai de la... j'ai des bons épéistes. Ouais. Et je doute que ça suffise pour tout battre. On peut voir. Hein. Encore ton général, il en reste encore un. Mais aller chercher les troupes qui sortaient des navires de Lewis. Ouais, mais ça a pas marché autant que je l'aurais souhaité. Hein. Ouais, couler un ou deux bateaux sur le passage. Putain, si tout a fui. Cavalry! Ride out! Orders, my lord. Forward. Cavalry. Riders, advance. Get running. We hunger for blood and battle. They will bleed for us. Run, curse you. At the ready! Scutari! Take them down! Our orders! Quick, march! Ready! Quickly now! Orders! Shieldmen! My lord! Charge! Our orders! C'est moi qui panique direct. C'est 99. Mon général qui panique, putain! Alors qu'il y a même pas pris de charge. Y'a rien! Terrible ça. We await your orders. We'll kill them all. Move our orders. Any fighters ready? Get running. Ah bah en plus il y a les unités bégayées dans le tas là. Mais oui. Ready.
Putain, mais mec, tu tues à 90 là. Ouais, bon, après, j'ai pas le moral romain, j'ai pas le moral grec. Hein. Ouais, le trait discipliné sur à peu près toutes tes troupes, ça fait la diff. Mais bien sûr que ça fait la diff. Hein. Plus les bugs, plus ci, plus ça. Putain, mais je peux pas jouer quoi. We await your orders. Cavalry. Ah, si tu veux, je peux faire replier tout le monde aussi. What are your orders? Bah, ça te fait, ça te donne la victoire quand même. C'est fait, hein. On va voir si ça passe ou pas. Hein. Je pense pas, franchement. Cavalry versus Riders at bot. Fallait pas la jouer dès le début, Ragnar, hein. C'est toi qui as fait le forcing, hein. Je suis pas forcé. Ah si si, t'étais. On va la faire, hein. Bah non, on va la faire. Attends. Oh, mon général meurt. Oh putain, mais j'ai vraiment. Jusqu'au bout, hein. We are at your command. Jusqu'au bout, hein. Battle ready and eager. Eh ben, merci, hein. Rome 2. Scutari. Voilà, à dégoûter du jeu, hein. Ce genre de bug. Our men flee the field of battle. À dégoûter du jeu. J'ai pas le droit d'avoir de flotte visiblement. Sinon, c'est bien malo avec Carthage. Ready. Putain, mais ça me. Eh, hey, c'est de la very light. Mais c'est ton unité qui est buggée, putain, mais. Ouais, je sais pas. Je crois qu'ils sont dans le sol. J'en ai plein le cul des bugs, hein. J'en ai plein. On a plein le cul des bugs, hein. Rome 2. We await your orders. On a plein le cul des bugs, Rome 2. Les deux, ça pète les couilles. J'ai pas le droit de jouer. Le jeu est buggé, ce qui fait que je peux pas avoir de flotte sans que ça fasse planter le jeu. Là, j'ai des regardez, ça c'est buggé. Pas ce qui se passe. Bah après, c'est en multi, hein, parce qu'en solo, généralement, il y a pas de. Avec la flotte, il y a pas de. Ouais, 4 fois 6, on va aller plus vite. Hein. Allez, hop. Allez, sur un malentendu, non, ça va jamais marcher, même sur un malentendu. Les mecs vont fuir. Les tiens ont discipliné, ils ont pas pris trop de pertes. Oh, il y en a un qui panique. Les phalanx. Et c'est ça, se reforme, mais vas-y. Que c'est frustrant. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ça prend même pas de perte, hein. Phalange lourde. Tu peux gagner, je peux rien gagner du tout, pépère. Je peux gagner si j'ai le droit de jouer. Je peux gagner si j'ai le droit de jouer, mais j'ai pas le droit de jouer. Putain. T'es limite quand même, hein. C'était que dalle limite. Je me fais chier à faire une flotte, j'ai pas le droit de l'utiliser. Le jeu me dit non, ça bug. Ça me coûte une blinde. Bonne bataille de merde, hein. Merci du cadeau, hein. C'est ton connard d'allié, je vais le prendre par les couilles. Viens pas te perdre, hein. Oh, vas-y, hein, vas-y. Et fais pas de perdre, hein. Ouais, un plaisir de jouer, hein. Putain, il a même pas de perte dans son armée en plus, hein. Regarde ça, tranquille. Ah, mais il a pas pris de perte. Les phalanges sont à pleine, à plus de demi. Genre, c'est imprenable. Eh bah, génial, hein. Génial, le cadeau. Je me fais niquer par les IA. Et c'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est... le problème de ma flotte qui est buggée alors que normalement j'avais intercepté la moitié de l'armée. J'aurais dû gagner. C'est absurde. T'aurais pu battre la moitié. Je vais perdre toute la Sicile. Parce que je peux pas. Bah, j'ai pas le droit de jouer en fait. Non, il osera pas attaquer Syracuse. Ça va rien changer, il peut apprendre à Kragas tranquille. Le problème, c'est comme il a pris des pertes, l'auto-resolve, les garnisons, elle est assez favorable. Hein. J'ai même pas d'armée pour faire quoi que ce soit. That is a season when if... J'ai même pas d'armée pour faire quoi que ce soit. Ah, Drux.
Bah, si seulement c'était ça, là c'est juste un bug du jeu. Hein. Un bug qui me nique. Voilà. Putain. La prochaine fois, vu que tu m'as niqué, la bataille navale, c'est toi qui viendras la faire en resolve et tu fuiras pas cette fois, je te pèterai ta gueule. En espérant qu'on verra si ça marche, au moins ça m'aidera à me détendre. Si tu veux. Parce que putain. Et si tu veux faire la paix avec mes vassaux, tu vas leur casser la gueule aussi, hein. Tu peux débarquer. Ouais, bah ça je sais. Hein. Tu libères rien, ils sont un petit peu loin quand même. Putain, c'est absurde de perdre pas l'endroit. C'est absurde. Je déteste ce jeu. Je veux pas finir. Putain, il y a encore des armées qui se baladent. Hein. Il continue d'envoyer des armées. Hein. Quelle armée, il en a pas d'autres. Non, il a une flotte maintenant. Il a une flotte, mais bon. Non, je crois pas qu'il a assez d'argent. Ah si si si, moi je la vois. Hein. Petite flotte de guerre là, 3 bateaux. Ah ouais. Mm-hmm. Occupe-toi de ton pays avant de t'occuper de. Moi, je suis en train de gérer. Hein. Je fais mes niveaux et après c'est à toi. Putain, quel gâchis. J'ai absolument. Là, j'ai quelques troupes qui vont être. Ouais, ça sera au tour d'après. Oh là là. Et le problème, c'est qu'il a ces putains de phalanges qui sont intestables. À toi. Ok. Quel plaisir, hein. Putain, quel plaisir, hein. Est-ce que sur un malentendu, j'ai claqué tout mon argent, je viens de claquer pour 10 000 de mercenaires. Hein. Est-ce que ça marche? La réserve, toi. C'était tout mon trésor. Est-ce que ça marcherait pas en auto-resolve? Même pas! Même pas en auto-resolve! Même pas en rêve! Il a déjà récupéré une garnison, le machin! Entier? Bien, non, mais ça n'empêche que ça fait du merdier, quoi. Putain, il a ses phalanges quasiment pleines et tout, mais vas-y. Tu peux la tirer avec ta flotte. Putain. C'est absurde. Tu la mets proche, et après il va te sauter dessus. C'est trop proche pour pas avoir la flotte. C'est absurde. Hein. Bon bah j'ai plus de thunes, voilà. Problème saved. Voilà, des tours bien inutiles. Allez. Génial. Game ruiné. Mais non. Bah bien sûr que si, putain. Toi c'est facile, des légions, tu les chisses d'un coup de doigt. Mais moi c'est pas facile, hein. Ça me coûte quand même pas mal de points. Et t'affrontes pas des Grecs, pépère, hein. T'affrontes pas des phalanges disciplinées, toi. Moi j'en ai affronté au début. Oui, c'est une bataille. Ouais, c'est vrai que Pyrrhus, il y avait pas grand chose. Ah bah ouais, le sel, hein, qu'est-ce que je vous dise. Je me fais niquer, je vais pas applaudir et dire merci, hein. La seconde guerre punique, pépère, tu vas l'attendre, hein. On est censé être bien pour commencer la seconde guerre punique, hein. Là, on se fait attaquer chez nous, on perd des villes, pour l'instant, on se fait casser la gueule, en fait. Par les IA. Déjà,
Déjà qu'on voit la fin de la première guerre punique avec les deux guerres civiles, moi ça me fait marrer. Voilà, les pirates viennent prendre des villes aux Romains et moi je me fais casser la gueule par les vassaux grecs du Romain. Donc la seconde guerre punique, tu vas l'attendre. Hein. Et il y a des immigrés africains qui essaient de venir en Italie. Voilà, c'est la météo ça. Il ne manquerait plus que des Turcs à envahir la Grèce maintenant. Ah d'accord, ah, ok, il va tout mener, ouais. Putain. Bon, écoute, moi la bataille je la prends. Hein. Vas-y. Hein. Let's go, hein. Rien à foutre. Oh. Ah ouais, il y a tout le monde. Hein. Et cette fois, tu vas à la bagarre. Hein. Vas-y. Hein. Sylia veut être agressive, bah écoute, là on va la laisser être agressive. Ah, t'aurais peut-être dû faire une sauvegarde auto avant la... Ah merde! Oh, c'est pas grave. Oh putain, t'as raison, zut! Trop tard, malheureusement. Tant pis. Ouais. Écoute, on va voir si déjà c'est gagnable, mais tout ce que je lui coule, c'est cadeau en fait. Ouais, ça va être gagnable, hein. Mais sauf que après, ce qui va. Bah bon, et après, il y a beaucoup de masques quand même. Ouais. Même en fait, le seul truc qui peut te faire des dégâts sur les navires de transport, c'est tout ce qui est tirailleurs. Ouais, c'est ça, c'est les archers, les tireurs et tout. Ouais. Sinon, ça fait y a rien, ça fait zéro dégâts. Bon, allez, let's go. Hein. Enemy reinforcements approaching. Après, il a quand même quelques navires. Hein. Ouais. Il a beaucoup de navires même. Hein. En tout, je crois, il a 3 navires de sa flotte. Et vite fait, quelques navires de garnison. Putain. Battle ready! Jordan Steel! Set the oars! Forward! Warriors of Carthage! For mighty Carthage! Voilà. Oh la quantité de flotte. Mais les béliers, mais qu'est-ce que tu crois que je fais là? Non, mets-toi en abordage, tu vas voir, ça passe. Our general is under attack. Baal Hamun gives us assault ships reporting. On your orders. Assault ships ready for orders. Putain, c'est ce que j'avais pensé être capable de faire la première fois. One of our units has used all its ammunition. Navire de garnison, il y a 12 mecs dedans. Quoi. Ready! Move on! Set the orders! To the orders! Our orders! Je pense que c'est comme ça que ça aurait dû se passer, Ragnar, la première fois! One of our units has used all its ammunition. Malheureusement, bah. Je me demande ce qui fait planter ces batailles navales quand même. Je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des combats, hein. Mais pourtant, avec nous, ça avait aussi planté. Bah non, ça. La première fois où tu t'es replié avec. Quand tu avais la flotte avec Pyrrhus là. Bah, tu t'étais replié et ça avait pas crash. C'est vrai. Donc c'est, je sais pas, c'est aléatoire. Je pense, ouais. Il doit y avoir quelque chose qu'on maîtrise pas dans l'affaire. On est juste un peu con, c'est tout. Ouais, sûrement, hein. C'est vraiment bizarre. Parce que bon, même les projectiles des navires de transport, avec les peltas, ça fait zéro dégâts. Ça blesse peut-être les mecs à bord, non? Mais non, j'étais sur une volée, je t'ai fait zéro de mecs tués. Oh putain, mes bateaux qui bug aussi, au secours. Allez! Yes, you can! Get moving!
Oh là là. The enemy general is dead. Oui, il y a un bateau de guerre là. Ouais. Putain, c'est la flotte que j'ai vue tout à l'heure justement. C'est ça. Aïe, non. Ouf. Oh, j'ai loupé ici, c'est une blague. One of our ships is being boarded. Putain, mais où tu vas toi? Dépêche-toi. Oh, je me fais aborder, fuck. T'as le navire à 94 PV. Oh putain, comment tu mets bateaux? Oh là. Ils sont résistants tes bateaux parce qu'ils... Il me coûte cher, figure-toi, Ragnar. Un bon 400, 500 d'entretien. Ah, moi, tu comprends ma rage quand je vois que ma flotte ne sert à rien, tu vois. Ah bah, je sais, hein, j'avais une flotte au début. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Une flotte, ça, je peux faire une légion avec. Pour à peine 5 navires. Hein. Putain, là, je le coupe pas, t'es sérieux. Aïe, un petit coup d'abordage là. Oh là là, la lenteur des machins. Même là, avec deux navires qui abordent un, ils galèrent. Allez, allez, coule. Oh, mais il fait rien! Il charge pas? Non! Oh là là, mon avis, le navire transport qui gêne, le navire amiral. Oh, j'étais pas loin, j'aurais pu te le couler. Allez, arrache-toi là, s'il te plaît. Aïe, mon moral. T'as réussi à faire un bel abordage. Où tu vas, toi? Reviens là, s'il te plaît. Allez. Oh non, accroché! Il est sérieux? Oh, il... Il a fait zéro dégâts. Oh mais là je me fais aussi accrocher, c'est une blague. C'est pas grave, ma flotte aura fait le boulot au moins. J'espère que tout ça c'est des mecs qui vont pas revenir. Voilà, tu me poursuis avec ton affreux vaisseau de guerre. C'est le vaisseau amiral. Là je vois ça, il fait beau. Ça va faire bobo. Ah, peut-être pas dû accrocher ce navire. Allez, coule-le! Oh là, t'as réussi à couler mon vaisseau amiral, GG. Ouais, c'est parce que t'as tamponné le transport, c'est pour ça que je t'ai rattrapé. Aïe. Ah, j'aurais fait le boulot. Allez! Ah, ça tient! Bon là malheureusement je crois que j'ai perdu mais c'est pas grave. On a fait du dégât, c'est le plus important. Bon, t'as coulé toute l'armée, j'espère. Un peu plus, même plus. Bon écoute, passe en x3, là moi... Ouais. Je présume que je peux pas casser les abordages une fois qu'ils sont lancés. Non.
C'est, mais attends, c'est mes mecs qui fuient alors que je gagne l'abordage. Wesh. Bizarre. D'accord. Ouais, je sais pas comprendre. Ah oui. Is dead. Ça écoute parfait, hein. C'est pourquoi il fuit. Oh là là. Our men flee the field of battle. Oh, il fuit. Putain. Pourquoi le navire il est en feu? T'as perdu tes deux navires et c'est moi qui fuis. Mais pourquoi mon navire il est en feu alors que c'est moi qui t'a... Mon dieu, mais je comprends rien. Attends. Attends, je t'ai abordé. Non, 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 et non, j'ai, non, pris non. J'ai pris ton navire. Ah d'accord. Bah, écoute. One of our ships is being boarded. Plus rien, hein. Mon navire il était en feu et ça a pris ton navire. C'est absurde, hein. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est moi qui gagne. Ah non. Cette fois, ça j'ai pas. J'ai pas compris. On va voir si la bataille navale elle passe ou pas. Ouais. Mais j'ai pas compris là. Enfin, j'ai peur que ça soit bugué, hein. Parce que moi, c'est une catastrophe si à chaque fois j'ai que je peux pas jouer une bataille navale contre l'IA, quoi, même contre toi. Enfin, Carthage, c'est un de mes points forts, quoi. Bah ouais. Hein. Sinon, on a bien la bataille navale complètement. Hein. Mais oh, si au moins elle fonctionnait, on pourrait faire avec. Mais elle fonctionne même pas. Tu parles de bataille navale? Bah ouais, on voit que c'est bugué une fois sur deux. Ouais. Bien sûr. Et on sait pas à quoi c'est dû en fait. Là, on a tué du monde, hein. C'est ça le plus important. On a tué beaucoup de monde. Voilà, le 6, 3700. Mais si ça prend pas en compte, et comme il n'y a pas de console pour forcer certains résultats, bah on est. Si ça fonctionne pas, bah on va voir. Attends. Ok. Ok, là je vois tout qui coule. Ouais, pareil. Ok, défaite vaillante qui me met. Ouais, moi, Pyrrhus, victoire à Pyrrhus. Et là, c'est bugué. Mais va te faire mettre. Quoi, t'as crash? Ah non, attends, ça repart. Je me replie. Non, bon. j'ai pas eu le message comme quoi ça, t'avais quitté la game. Je me suis barré avec ce qui reste de ma flotte. Ok, visiblement, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Bon, écoute, maintenant, ce qu'on fera, c'est qu'on forcera les batailles avec l'IA. Tant pis si c'est des transports et tout, si c'est moi ou mon IA ou n'importe. Ok. On fera pas de retraite, on se suicide comme ça, problème résolu. Hein. Putain, mais tu t'es barré long. Hein. Mais je me suis barré devant Rome, tu vois, en panique, voilà, je me suis barré devant Rome. Voilà, Ragnar. J'ai pas de port à Rome, désolé. Je peux pas accueillir tes meilleurs. Ce qu'il en reste, hein, Ragnar. Ce qu'il en reste. Mais en soi, la flotte a fait son travail là. Là, la flotte a fait son travail. Maintenant, on va forcer les batailles comme ça. Mais là, la flotte a fait son travail. Elle était là pour ça. Là. Parce que là, voilà, je voulais qu'elle pète l'autre. Parce que je la gagne la bataille contre Ragnar s'il n'y a pas l'autre armée grecque en fait. Parce que les deux armées ensemble, bobo quoi. Bon bah. Putain, et la Sardaigne, c'est un IA révolte, hein, cet endroit de merde. Hein. La Sardaigne, non, la Corse. Ah ouais, la Corse. La Corse, Ragnar. Écoute, si tu la veux pas, tu me la rends. Moi, ça se passait bien quand j'étais le dirigeant, le gouverneur. Ah oui, je vois ça. En vrai, moins 12, putain. Ouais, ma flotte, malheureusement. Bon, on va pouvoir prendre Panormos au tour d'après. Et après, Ragnar, j'embarque et je vais casser la gueule de ton mignon. Hein. Je libère rien, mais je vais lui forcer la paix. Hein. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Et si tu veux faire pareil avec chez moi, bah t'y vas. Ah non, c'est bon, l'Afrique. Oh. Donc là, je suis tranquille pendant un bout de temps. Ready for orders. Bon, cette armée de mercenaires que j'ai levée en vitesse, bon, ça me coûte cher quoi. Ascolum prise par les pirates, oui. Mais je pense qu'il y a vite une légion qui va débarquer pour reprendre le merdier. Il n'y en a pas qu'une. Voilà. On va tout envoyer. Mais bon, ça fait chier, quoi. Mais bien sûr que ça fait chier. On perd du temps, on est jamais safe. Ouais. Ragnar sacrifie une légion et fait une flotte pour nettoyer les eaux. Non, c'est censé être mes alliés qui font ça. Ouais, bien sûr. Tes alliés, ils viennent me péter la gueule. Ouais, non, mais là, un autre allié. Ah, il est censé être fort dans les bateaux, tu vois. Ah, putain.
Oh, attends, me dis pas que j'ai pas la... T'as pas la portée ? Ah, j'entends le bruit d'un clairon. Ah oui, bataille. Allez, retourne à la mer. Putain, et mon income, tu sais, il est quand même passé en négatif à cause de juste la perte d'une ville. Hein. Ah ouais ? Putain, ouais. C'est dur. C'était une belle ville, Ascolum ? Je sais pas, j'ai pas fait... Bien sûr. Ouais. Toutes les villes en Italie sont des belles villes. 27 000 habitants. Pour tes standards, c'est presque autant que Rome. Tout le monde n'est pas Caralis et c'est 61 000 habitants. Oh putain. Donne-moi ta pop. Bah, donne-moi un peu de ton argent en échange. Je t'envoie mes migrants. Oh là là, non, je ne veux pas de migrants. Déjà, j'ai tes Africains là. Bah écoute, tu dis que tu veux de mes bonhommes. Bah, je t'envoie mes ingénieurs, Ragnar. Pas des, pas des Africains. Je t'envoie mes ingénieurs et mes médecins. Tout sauf des Africains. Oh là, attends, non, sérieux? D'accord, en un tour, il a réussi à me changer un port T3. En un tour? En un tour. Il l'a supprimé ou... Non, il l'a changé. C'était un port de commerce, il l'a changé en port de pêche. Ah, les IA, hein, Putain. En tout cas, il n'y a plus de pirates. Voilà, écoute. Pourquoi faire une flotte alors qu'ils viennent directement sur la Terre? On peut voir ça comme ça, hein. Ici, putain, là... ça me fait chier. Attends, c'est quoi ça? Ok, ça c'est mon armée. Siga, on est bien. Ok. J'ai quand même les... Ouais. Ils sont loyaux dans l'ensemble. Ils sont fidèles. Dans l'ensemble. Loyauté, ça va. D'ensemble, ils sont fidèles, ouais. Tiens donc. Le Lusitanien, ok. Ready for battle. Ok, on est en train de recompléter les pertes ici, parfait. En fait, le problème, c'est que si je fais la paix avec un de tes mecs, en fait, c'est que comme ils sont alliés, ils s'entendent bien avec les autres mecs. Ils vont demander. Guerre, si je fais pas la paix avec les autres, en fait, ils vont rejoindre le camp de. C'est ça. Ils vont faire un soutien, tu vois. C'est buggé, en fait. C'est des guerres interminables. Comme qui s'est passé avec tous les mecs qu'on a libérés à chaque fois en Sicile, genre. C'est toujours la même chose. Ça s'arrête jamais. Est-ce qu'on a une option pour juste mettre une ville à sac, sans libérer ou occuper? Je crois que oui, mais à vérifier. À vérifier. Normalement oui. Eh bien, ça va être à toi. Ah. C'est à toi. Ah. Non, c'est bon. En fait, ok. Je remets mon édit et c'est à toi. Oui, on peut piller et ne pas occuper. Ok. Parfait. Et ça, dans le jeu de base, tu peux pas normalement piller, je crois, et sans la prendre. Ouais, tu décolles, c'est forcément. Bon, est-ce que je peux reprendre Panormos? At your command. Normalement, ça devrait pas. Y'a plus personne. Allez hop. Allez, au revoir, Panormos. Tu les pilles, hein? Bah écoute! Écoute, Ragnar! Ils se sont quand même pas très bien défendus, il y a 11 000 de thunes. On va piller ma propre ville, hein. Ouais, ça c'est vrai quand même, 11 000 de thunes alors qu'il y a personne, il y a plus rien, il y a plus personne, genre ça c'est... Écoute, c'est dans le doute, Ragnar, dans le doute. voilà. Au final, c'est quand même plus rentable. Ouais, non, quand même, quand tu vois ce que ça m'a coûté au total,
C'est... Ouais, bon, t'as récupéré ton, investissement. Un peu. At your command. Make haste, man. Ok, ici on va tout réparer. Allez, oh putain, hey, il m'a défoncé ma pop. Attends, quoi? D'accord. Le pirate à Skulum, il a en un tour, il a changé toute la pop. Ah. D'accord. J'avais de la pop tier 1, des classes 1, 2, 3, et tout est passé en tier 4. Je vais rentrer à Carthage, réparer ma flotte. Ah, c'est n'importe. D'accord. J'ai que de la pop tier 4. Putain, j'ai un problème avec un mec, qu'est-ce qu'il veut Silent Sim, allez, au revoir. Voilà. Ici, on va faire un peu de police. Patrol, voilà. Ah, mais y'a ton prêtre, moi, à Rome. Putain, tu m'as mis de la culture punie chez moi. C'est une grande et glorieuse chose de fight pour notre cause. Est-ce que j'ai accès au. Putain. Ah, dommage. En Mercos, je les ai. Bizarre ça. Ok, c'est pas grave. On va recruter de la viande. Voilà. Parfait. Bon, est-ce que j'ai encore de l'argent? Mais bien sûr. Avec le pillage. Voilà, on va améliorer tout ça. Pareil là-haut. Voilà. Allez, on claque tout l'argent. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Et normalement, Ragnar, je crois que j'ai fini mon tour. Ouais. Pousse un peu. Les flottes pirates, ils pop à un certain niveau de banditisme, normalement. Je pense, ouais. Donc forcément, plus tu mets de portes commerce, plus t'augmentes la chance que ça pop. Ouais, mais moi j'ai zéro en banditisme, donc ça veut dire c'est les autres en fait. Moi j'ai beaucoup de banditisme, tu vois, par exemple. Ah merde, ouais. J'ai des édits, j'ai oublié de remettre mes édits en Sicile. Parce que moi je suis vraiment à zéro en banditisme dans ma région, dans mes deux régions en fait. Donc ça veut dire en fait c'est les autres là, c'est mon allié qui m'amène des bandits. C'est tes alliés, Ragnar, tu te rends compte? Faudrait les punir peut-être. Ouais, mais j'ai pas envie d'affronter trois armées. Le grec voudrait pas faire la paix. Merde, j'aurais dû demander au grec s'il voulait faire la paix. T'as cliqué? Oui. Ah, allez, tant pis. Il va recruter un général, du coup il voudra plus faire la paix. Il va recruter un général? Bah pas grave, je lui envoie mon stack, hein. J'envoie mon stack et je le rase, hein. Je vais le forcer à la paix et je vais le piller, hein. Je vais financer, je vais me financer avec les armées des potes de Ragnar, hein. Après, tu sais, faire attention parce qu'en faisant ça, ça fait. Il a des bonnes relations par exemple avec Macédoniens, Athènes et tout. Mais tu pilles, ça veut dire eux ils vont pas apprécier et ils risquent de te déclarer la guerre. Oh, j'ai assez de problèmes avec les Grecs comme ça. Mais ça, c'est possible, hein. C'est assez de problèmes comme ça, hein, putain. Non, mais c'est pour ça que j'ai des bonnes relations avec les Grecs. Je vais mettre ma flotte devant son port, tu vois, comme ça, allez, si tu sors, je te coule. C'est une possibilité. Hein. Si il faut en être réduit à ça, on va le faire. Ouais, mais après. Ouais. Ah putain, il me demande de joindre la guerre contre toi maintenant. Non, mais ça c'était l'appareil, la session dernière. La session dernière. Il spam ces espèces d'affreux là. C'est comme le grec, hein. Il faisait la même chose. Alors encore, mes minions étaient enclins à te sauter dessus. Là, je leur ai donné comme mission d'aller détruire l'autre grec là. Ah ouais, en faisant ça, ils vont aller sur moi. Bah non, je leur ai donné comme cible de guerre la ville, tu vois. Ouais. J'espère qu'ils vont y aller, c'est Clodo là. Ouais, à voir. Ils ont pas l'air très décidés à faire quoi que ce soit pour le moment. Bah ils ont perdu un peu leurs deux armées. Hein. Bah tu les as stack wipe les deux, ça fait beau. Hein. Y a quand même un qui a réussi à prendre une ville. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut là, Gaëtu?
Putain, quel enfer! Je viens pour me détendre. Je me fais bolosser comme une petite chienne. Ah, à Ragnar de jouer. Tu fais pas trop bolos. Ah, un petit peu quand même, hein. Et par toi en plus. Pourquoi je peux pas le bouger, lui? D'accord. At your command. Ok, 20 armées. Ah, peut-être qu'il faut encore un tour. Bah, on va recompléter les pertes. Hein. Parfait. Fleet reporting, my lord. En tout cas, les navires de guerre, ça fait le boulot face au transport pourri. Hein. Ça pousse pas beaucoup en Hispanie, mais j'y arrive, je peux pas. C'est dans combien de tours la prochaine game punie? Mais on n'en sait rien. On n'arrive déjà même pas à sécuriser nos frontières. Qu'est-ce que tu nous parles de deuxième guerre punique? On se fait martyriser par les IA. Incroyable. Tu sais, les mecs, ils veulent qu'on se foute sur la gueule. On se fait déjà... Bon, en fait, on aurait déjà dû arrêter la première, en fait. C'est ça. On se fait déjà péter la gueule. Ah, fille. Bah écoute, l'IA m'a cassé la gueule sous le commandement de Ragnar, il a pris Panormos, après il s'est suicidé dans une bataille navale face à ma flotte, où j'ai coulé quasiment toute l'armée, et je viens de reprendre seulement Panormos, après beaucoup de sel déversé. Le sel, j'en rapporte. Ah, beaucoup de sel, hein. Beaucoup, hein. Donc là, on en est réduit à penser à une expédition sur les côtes... grecques. Sur les côtes grecques pour faire de l'argent, en fait. Quitte à être en guerre, autant être en guerre contre tout le monde, et on va faire des tunasses. Bah oui, si ce jeu était pas buggé, on arriverait à faire la paix, mais on n'y arrive pas. Là, je vais essayer de faire la paix avec le grec, peut-être qu'il va vouloir. Hein. Je pense pas, hein. Toi, tout à l'heure, ils ont refusé de faire la paix quand... Et moi, ils refusent tout le temps de faire la paix. Quand, même quand t'as stack wipe leurs armées, c'était ouais, zéro, bah... quoi. Okay. Bah écoute, là, je vais essayer, donc sur un accident, ça marchera peut-être. Hein. Là, il a plus d'armée du tout. Même quand la barre de force est... Ils ont rien du tout, ils veulent pas. C'est vraiment bugué. Hein. Le Gaulois au nord de chez toi, il a quand même l'air un peu balèze. Il a Patavium, Medlan. Ouais. En fait, le truc, c'est que je sais pas comment il fait. Il arrive à taper tout le monde et en fait, il revient dans son pays. En fait. Et t'es en guerre contre lui toujours? Oui. Ok. Mais il va mourir. Hein, parce que là, il fait un peu trop le mal. C'est juste, je peux pas. Genre, je me fais assiéger par les pirates, mes légions y retournent au sud et après je dois retourner au nord. Mais c'est ça, c'est qu'on est. On doit être au four et au moulin, ce qui fait qu'on peut pas s'étendre comme ce qui était prévu. Moi pareil, hein, t'es en Espagne, j'ai pas mis un pied en dehors de mes provinces, hein, je peux pas. Hein. Ouais. Ils sont où mes agents? Ouais. Et bah. Est-ce que j'ai un passage de niveau? Non. Eh ben, ça va être à toi. Let's go. Bon, Ragnar. On va voir normalement. On va voir si au tour d'après. Young Challenger, forcément. Tu vas où tu vas, où tu vas, où tu vas, où tu vas, jeu de merde. Voilà. Bon. Ok, mon armée ici est complète. Let's go, fini les conneries. Alors, est-ce que ton grec à la con là, il serait pas prêt à faire la paix hein? Ah bah, ça c'est à toi de voir. Hein. Alors, là mec, t'es... Modéré! Il refuse. Un peu de pognon alors. Je vais lui donner un peu de pognon, donc tu te rends compte, Ragnar, je dois lui donner de l'argent! Cool, je suis prêt à lui donner 1400. Non, allez, 1400 minimum, maximum. Ah, tu te dis, comme Panormos, le nombre de thunes qu'ils ont fait sur notre dos, tout ça, parce qu'à chaque fois, il refuse. Je vais venir le piller, hein. Je vais venir le piller, je vais lui prendre tout son argent, et après, comme ça, je demanderai une paix avec son argent. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, peut-être même sans l'argent, je pense que ça peut passer. Hein. On va voir, hein, mais à un moment, il y en a un peu marre, quoi. Alors, ici, ouais, au niveau bouffe, c'est ric-rac. On va doubler. Hop. Un seul 7400, ça coûte cher. On va pas tout de suite investir là-dedans.
cas, je ne comprends pas comment il a fait pour changer toute ma pop en un tour. J'avoue que c'est un petit peu sale, hein. Ma belle plèbe. Putain, je peux pas recruter de... Je peux plus recruter de... Alors, on va recruter des unités. De légion dans cette ville. C'est vrai que les mercenaires, il n'y a pas ceux que j'aurais aimé avoir. Ah si, là, non. Il y a ceux-là que j'aime bien, qui ont un petit... 4... Ah non, 4... Ouais, je les ai pas malheureusement. Au niveau des unités, il me faudrait de la cave. Ouais, la différence de prix, ouais, ouais, mais j'ai un peu d'argent. Hop là, ok. 3. Putain, je dépense, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Normalement, là, c'est bon. Je vais baisser les impôts. Voilà, tant pis pour l'income, ça baisse un petit peu. Allez, tour suivant, let's go. À toi de jouer, Ragnar. D'abord, Rosia. Alors non, je relâche pas parce que c'est dans la sphère d'influence du Romain, on a dit qu'on relâchait pas à côté de chez nous, ça serait pas correct. Mais prendre le mec et relâcher ? Ouais. Et je crois même que tu pourras pas. Parce que en fait, c'est déjà un mec relâché en fait. Mmh. Exact, bien vu. Bah je vais relâcher Pyrrhus. Le retour de Pyrrhus. Ouais, mais je vais passer possible. En vrai ça, je sais pas si c'est possible. Parce que mais normalement, des fois les mecs déjà relâchés, tu peux pas relâcher derrière. Ça va être l'occasion de voir, parce que moi je suis moins patient que toi. Hein. J'ai mon stack est en route. Hein. Ouais, mais après, le truc c'est que si tu le mets pas dans une fois, tu vas prendre de l'attrition ton stack. C'est pas grave, il y a pas d'armée en face. Il va lui falloir une garnison. Il va lui falloir. Oui, mais t'inquiète, j'amène un stack de. Un stack 1-20, ça va le faire. Il a le temps de recruter. Hein. Écoute, je m'en bats les couilles de ce que tu penses, j'y vais. T'es non, Pépé, écoute, il va recruter, non, ta gueule, c'est... Ah, fais comme tu veux, hein. Tu sais, si je lui prends 5000, avec les 5000, j'achète la paix. Ah bah tiens, il y a des mecs qui veulent rejoindre, ils m'invitent à rejoindre la guerre contre toi. Bah bien sûr, c'est tous nos connards d'alliés qui... C'est magnifique, les alliés, hein. Non, oh, on verra bien, fille. Hein. On verra bien. On aura déjà fait un bon petit run. Et en soi, c'est juste que qu'on va devoir prendre un peu plus de temps pour faire de l'argent et se développer pour pouvoir tenir tous les merdeux qui sont en guerre contre nous, parce qu'on espérait être en paix, en fait. Pendant un certain temps, mais ce n'est pas le cas du tout. Y a pas de paix. Y a pas de paix, on est en guerre permanente depuis le début, quoi. Ouais, parce que je crois que la première guerre punique, on l'a lancé quoi, à tour 15 ? C'est ça. Oh, mais... Ah non, ça va. Putain, j'ai juste pirate spotted, mais ça va, c'est pas chez moi. Il faudrait pas qu'il attaque mon armée en chemin. How can I serve you? Ah merde, là-haut j'ai pas vu. Zut. Bon. Ici ça commence à se faire doucement. 16. C'est vraiment de la merde, eux. Hein. I live to serve the mighty Carthage. Oh, des beats! Batatac! Merci pour les beats, mec, c'est gentil! Putain, il faut que je développe mon T3 ici de ça. Combien de temps? 3 tours. Putain, entretenir les armées et poser des bâtiments, ça coûte une blinde, hein. Ouais.
Merci pour les bits specs, c'est très gentil. Your orders, my lord. I live to serve the mighty Carthage. Ça va être à toi. Hein. Nice. J'ai deux passages de niveau et c'est à toi. Ah, Luke, c'est pas une. C'est Tuck. C'est Tuck, attends. C'est un L ou un T? On va dire que c'est Luke. Pas une mauvaise idée, ça. À toi. Nice. Tu essayes de convertir les Romains avec ton agent Ouais, non, ils se baladent. Tu fais d'explos. Oh putain, mais non, mais ça va être trop long. Allez les chercher, les mecs, là. Ça va être trop long. Tant pis pour les Grecs. Hein. Tant pis pour les Grecs. How can I serve Carthage? Ça va être trop long. Après, si tu files un peu de points, tu files. Ça dépend. Tu... Il était en modéré? Ouais, en modéré, ouais. Mais je lui ai. Je lui ai filé quand même 1400. Si je commence à filer du pognon à tout le monde. Ah, t'aurais filé un petit 2000, 3000, il y aura. Ouais, putain, ouais. Lawyer's... Allez, 2600. Il accepte! Voilà. Et là, il va me redéclarer la guerre dans un tour, tu sais. Allez, hop. Là, je serais bien salé. Hein. Bon, ouais. Ça m'a coûté cher, cette merde. Je voulais aller me balader un peu. Voilà. Lady Tenet, bless our journey. Setting forth in the name of Carthage. Et là-bas... Donc on va pouvoir commencer. Voilà. Putain, le problème c'est qu'il faut que je garde mon armée au cas où quoi. Ah, aïe. On va devoir faire avec. Et on va aller, hop, voilà. Puis on va continuer à développer tout ça. Oh, ça fait de l'argent. Ça... Non, tu me coûtes un petit peu cher, là. J'ai des choses à préparer avant. Fais chier, y a pas d'épéiste en Ibérie, là, à recruter? Ah, quoi que lui, là, il pas... Non, non, c'est un... Je découvre les unités ibères et tous les clodos du coin. Ah. Putain, c'est pas fameux, hein. C'est pas non, fameux. Normalement ils ont pas trop d'unités dégueulasses. Ouais, je vois, c'est pas... Ouais, là, et dans tes mercenaires. Ouais. Je crois que c'est dans tes mercenaires. Ah non, hein. ça c'est des javeliniers. Hop là. Ouais, putain, oui, je crois que c'était dans tes mercenaires où t'avais été les épéistes là qui avaient 17 ou 18 d'attaque ouais, mes... lors du siège de Syracuse. Sans foreigners, eux sont pas dégueux. Ah mais c'est des tireurs putain, le nombre de javelots que j'ai trop de javeliniers par rapport à ce que je vais. Oh putain, ici c'est une blinde les mecs. Oh non, ils coûtent trop cher, je suis désolé, mais putain, au moins faut pas me prendre pour un con. Je veux du clodo moi. Pas trop du... Je veux pas du mec trop compétent quand même. Ah alors, c'est ceux-là non, c'est lesquels C'est lesquels les frondeurs des baléares Je les vois pas... Ah si, Balearic Slinger. Bah ce qu'on va faire, c'est que... Ceux-là, par exemple, on va les dégager. C'est des... Ouais, eux, ils sont très forts. Marché de merde. Voilà, et on va se payer... On va se payer des frondeurs, des baléares. Oh, ils coûtent une blinde aussi. Ouais, mais non, ils sont forts. Hein. Ils coûtent un tarif, les machins. Il y a vraiment aucune unité de... Ils coûtent
coûte 400, voilà. Ah non, ça sera pas un. Bon, ok, on va y aller tranquillement. Pas trop là. Et ici, on va mettre un market settlement. Voilà, écoute, normalement c'est bon. J'ai fini mon tour. Ici, on est bon. Let's go! Ah, écoute, François, on verra bien. Il y a encore un peu de temps. Ah ouais, les archers, ça pue la merde hein, dans les totems, dans les dans Rome 2. Hein. T'as un, moi qui sors du run avec le royaume unifié, me passer sur les archers de Rome 2, ça pique. Hein. Ah bah c'est sûr, c'est pas... De toute façon, dans Rome 2, il y a que deux unités d'archers qui sont forts. Hein. Les frondeurs, non? Ou si tu considères non, c'est les archers, comme... c'est les crétois et les sirènes. Ah, ouais. Après, sinon, c'est. T'as les. Bah, les slingers de des balayards et de crête qui sont très forts. Ah, la crête a les archers et les slingers, la totale? Non, je crois que c'est les rhodiens. Je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, c'est en Grèce, dans les îles. Ah ouais, c'est les frondeurs de Rhodes, c'est ça. Ouais, voilà. Bon. Je vois ton mignon... le mignon grec. J'espère qu'il va pas me redéclarer la guerre dans la foulée. Normalement, je pense pas. Hein. On va voir, hein, son pote qui va lui demander, écoute, reviens... Ouais, mais... Non, il est pas censé avoir beaucoup de pognon, l'autre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça suffit là, oh ! Machin, il va me... Coucou, on est de retour, merci pour l'argent. Ah, oh, y a un clodo qui me déclare. Mais non, qui ça ? Oh, c'est un gaulois. Un gaulois ? Ou un germain, je sais pas. C'est là-bas. D'accord, ok. Fais gaffe que son stack débarque pas. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller, après là, je vais voir trois stacks déballés. Arriver là. Coucou, hein ! Coucou, en fait, je t'aime pas. Mais... T'es un connard, voilà. Il y a un peu beaucoup de stacks. Ah. Combien de pertes je prends Ah, bataille, Ragnar? Oui, bataille. Tu fais quoi? C'est... Bataille! Tu te fais attaquer contre... Ah, c'est une garnison en face ou c'est une bataille? Non, c'était une armée. Ok, bah écoute, let's go. Hein. Hop là. Du Gaulois. Après, c'est une embuscade. Ah, d'accord. C'est toi qui l'as embusqué? Ouais. Oh putain. Ok, bon. Là, je vais perdre, mais avec plaisir, vu que c'est pas mes troupes, tu vois. C'est... Et 30% de perte en auto-résol. Ah ouais, 30%. Sur une embuscade. Sur une embuscade. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas les armées renforts en embuscade. Oh putain. Sinon, il y aurait deux légions en plus derrière, tu vois. L'abus, quoi. C'est même quelques-unes de ses troupes qui font déjà la gueule. Ouais, parce qu'il a pris une ville, juste avant. Ah, d'accord. Ah oui, il avait pris Patavium. Je sais plus c'est quoi, la Venetie, je crois. Okay. Venetie. Alors, attends, je vois rien. Oui, parce que tu ne peux pas faire de placement. Ouais. Okay. Quand t'es en embuscade. Ah, par contre, je peux voir les stats de mes unités. Ok. Ok. Embuscade, ça pique. Ah, je me suis fait raider. J'ai même pas le temps de. J'ai même pas pu voir par qui. Au secours. Ah. Mark Table Skills. Merci pour le raid. Bon, bah. Salut tout le monde.
Bon bah là je joue l'IA, bah écoute feu Ragnar, hein, viens me casser la gueule hein. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, non mais sérieux. Oh non mais non. C'est l'embuscade. Ah ouais la gueule, c'est genre les mecs, on vous avait pas vu hein. Non non non, hop là. Oh non mais non, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh puis je... The men are wavering. Oh là là, oh là là. Horsemen, follow me quickly now. Need this. Forward, ready. Charge. Mounted death. Advance at speed. Quickly now. One of our units has used all its ammunition. You have our spears. Oh là 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 là, la catastrophe, hein. La catastrophe, hein. Levy Freeman! Fire on us! Orders! Shield wall now! Battle ready! Horsemen! Orders! Oh là là, ici ça fuit déjà! Our men flee the field of battle! This is a shameful display! Take orders! Light horse! All right! Our men flee the field of battle! This is a shameful display. Oh, le général qui arrive derrière. Back, spearmen! Forward! Warriors, withdraw! Warriors, ready! Ouais. Ah, une embuscade, aucune chance, hein. Our men flee the field of battle! Même pas pu me déployer. This is a shameful display. C'est quand même, je trouve, abusé, c'est le nombre de pertes que tu prends dans une auto-resolve. Complètement. Alors que le machin, t'arrives, bah, qu'est-ce que tu veux faire, t'as la moitié, j'ai la moitié de mon armée qui tire des pilums et... Carrément, je t'ai fait aucune perte. Hein. Et je sais plus si t'as un malus de morale en... T'es en embuscade. T'es pris en embuscade. Ça, je sais plus. Oui, de toute façon, la proximité. Light horse! Là, j'avais aucune chance. De toute façon, là, j'ai fait la bataille juste pour pas prendre trop de pertes en notre réserve. Hein. Logique, hein. This is a shameful display. Général qui tient, hein. Ouais, mon général, courageux, hein. Ah, Swordsman, hein, putain. Je pense. J'ai tellement peur d'envoyer mon général à baston, tu vois, parce que vraiment entendu, il meurt, tu vois. Ça serait mal. Bah tiens, mon général est mort. Il reste une unité. Ah, ouais, deux, ouais, ça va faire, ça va faire. Our men flee the field of battle. Ouais, bah ouais. Vachement. Salut, Market Table. Merci pour le raid. Ouais, 30%. Oh, le massacre. 157 pertes, hein. La cavalerie. J'ai même pas eu le temps de jouer, hein. Je suis arrivé. Ah, c'est vrai, en embuscade, c'est super con. Même pas eu le temps de jouer. Je fais jamais ça en embuscade. C'est trop cuck, mon goût. Bah, moi je trouve que ça permet d'attirer les stacks ennemis. C'est vrai. Parce que là, il a été attiré par un petit stack qui a été une légion un peu moins forte derrière et il a foncé dedans, quoi. En tant que Romain, on est fourbe, hein. C'est pour ça. Ah, pas le choix, hein. C'est pas comme si t'avais déjà les meilleurs soldats d'Europe dans le tout. On va tricher. Non, mais un ça, peu, c'est un petit détail. Un petit détail, ouais. C'est pas un exploit, ça, c'est utiliser les capacités du jeu, quoi. Ouais, ouais. Attends, je pensais pas que l'embuscade elle serait aussi proche, hein. Tu vois, genre, coller coucou, vous avez pas vu, les gars. Ouais. Quelle surprise, le pire, c'est quand tu fais des embuscades dans le désert.
Vous voyez rien, rien du tout, tu sais. C'est quand le mec il sort d'une dune là derrière. C'est ça, c'est à la Frodo et Sam devant la porte noire, tu sais. Y'a rien ici, les mecs sont juste devant. Ouais. Ils ont mis leur capuche. Ils ont mis leur capuche. Leur capuche elfique, hein. Magique, hein. Ah là. Bon. Pourquoi je peux pas le... Ah voilà, ok. Ah, pirate vers chez toi. Ah, où ça? Sur ta côte, ouest de Carthage. Ah. Ça m'a dit pirate spotted. Ah oui, vu. 19, ok, d'accord. Bon, j'ai ma flotte de guerre qui est pas loin, éventuellement, si ça fait chier. Puis bon, il y a tous mes minions, tu sais, j'ai des stacks entiers de minions qui sont là. Ouais. Ils ne bougeront pas, j'espère. Éventuellement, je pourrais prendre mes Libyens et... Ah mais c'est ça, hein, les soldats qui sortent du sable par milliers... Mais bon, ça fait une sacrée différence, hein. C'est une belle embuscade, hein, parce qu'il prend plus de pertes, c'est une bataille normale. Il y a quand même de la qualité chez le Germain. 157 morts pour 3000 tués. C'est cadeau, hein. Alors qu'il a deux stacks, ça fait un stack tué gratos, quoi. Mm-hmm. Ah bah regarde, je vois que la Corse est en train d'être pacifiée. Et ça construit des bâtiments militaires en Corse, d'ailleurs. Militaires? Ah non, attends. Un temple, c'est militaire. Ah oui, ah non, c'est moi qui suis militaire. Caralis. Hein? D'accord, bon bah je sais pas. Oh, voilà, je peux une petite auto-resolve. Ah! S'auto-résolve dans le nord? 10% de perte. Bon, c'est bon. À Patavium? Entre Patavium et Medlon. Ah, ok. Ça c'est bon. Et bien, est-ce que j'ai un niveau? Ouais, j'ai un niveau et c'est à toi. Let's go. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces armées. On a une belle garnison ici, ouais, on a une belle garnison, on a des murs. Eh mais franchement, il y a des agents de chez tout le monde chez moi. C'est infect. Ah bah t'es un peu le carton. Surtout du monde, tous hein. Tes Africains là. Bon, et en même temps, il m'apporte votre vieille culture là. Tu veux qu'on reparle de Sextus qui est toujours à Carthage? Il est en vacances. Coucou. Tu sais, même l'autre, la Ligurie, il a plus d'armée et il veut quand même pas faire la paix. Mais ouais, je comprends pas. Hein. Certains. Comment ça se fait que moi j'ai réussi à faire la paix avec ton grec alors que toi t'arrives pas à faire la paix, hein? Peut-être qu'il. T'as wipé un stack, mais il y en avait peut-être un deuxième, hein? Bah, tes Africains, je sais pas si. Toi, tu dois savoir s'ils ont plusieurs stacks, mais en tout cas. Moi... Bah, ils ont toujours des troupes qui se baladent en tout cas. Il y a toujours du clodo, hein. Let's go. Non, va en mer, voilà, va sur la mer. Direction là, hein? Tour prochain. Ça fera 3 armées, on sera à 18. On a ça, et on a la cave. Putain, on va avoir une jolie petite armée ici. On va éventuellement faire du.
Mercenary. Non. T'as les mercenaires, ils coûtent cher, nom de Dieu. Au secours. Mais t'as de l'argent, toi. T'es riche. Je suis riche. Non. Bah, si, quand même. Toi, t'arrives à avoir des masses de. Oui, bah après, mes légionnaires, ça coûte moins cher que des mercenaires. Mais pas des légionnaires, mais, okay, mais voilà, Astati et Principes, ça coûte moins cher que des mercenaires. Tu sais, la belle époque des éléphants de guerre en Sicile, c'est fini depuis longtemps, hein, je peux te dire. Hein. Tu feras... Il n'y aura plus d'éléphants. Là, pour le moment, j'ai d'autres soucis, tu vois. Oh, dommage. Alors, par contre, il fallait que j'améliore certains trucs. Voilà, ici, j'ai un petit peu délaissé des choses là-bas. Ici, on est bon. Allez, on dépense un peu d'argent. Il faut faire des investissements pour le futur. Pour les générations futures de Carthage. La noblesse future. La future noblesse, c'est les 0, le 0,1% pour les mecs qui vont mourir prochainement. Par contre, les Libyens, ça y va, hein, Carthage. Ça arrive, 155 par tour. Ah, oh, les deux stacks romains avec les Mercos. Allez, let's go. Quel de stack ou ça? Je ne vois pas. Comment ça va la population? Bah, la population, ça me peut. Oh, j'ai trouvé un mignon, justement. Un des mignons de ton ennemi qui a deux stacks, le machin. Ouais, c'est ce qu'il a libéré. Putain, tu te dis, la d'accord, le machin, il a libéré, il a deux stacks, tu vois. C'est ouais. Plus que moi. je suis Carthage, tu vois. C'est pour ça qu'on l'a libéré, j'ai fait la paix avec lui. Ah, oh, d'accord. Ah bah. D'accord, écoute. Ah, l'autre il avait déjà 3 stacks, je me retrouve avec 2 stacks en plus à affronter. Ah, d'accord, il a inventé des mecs, tu sais. Ah, c'est affreux les IA quand même. Hein. Tu sais, c'est pour compenser le fait que les IA sont nuls, alors on leur donne des cuves de clonage. Ouais, ça. C'est un peu du foutage de gueule. Hein, surtout que lui il peut recruter n'importe quoi. Mais et ça pop monter en fait. En fait, c'est comme si lui il avait 0 d'impôt partout, c'est pour ça que ça pop monte. Et pas de malus quand il capture d'ordre public, quoi. Tranquille, tu sais. Là où nous, on galère à lever nos petits stacks. Moi, je prends une province, l'ordre public va pas, parce que c'est pas de ma culture, écoute, c'est pas... ce que j'ai pillé, voilà. Comme la Corse, je l'ai pris, c'est un nid à merde. La Corse, c'est en train de repasser en positif doucement, hein, mais ça fait quand même longtemps, Ragnar, que la Corse... Ouais, mais, la pop, elle est passée, t'as vu, t'avais combien, 30 000, 40 000, elle est passée à moins de 10 000. Ah ouais, ça a pas mal élagué, il y a eu la grosse révolte d'esclaves qui a jamais pris la ville. Ouais, ils sont restés en train de mourir de faim, tu vois. Et Caralis, hein, le bijou de la Méditerranée, qui doit être à plus de 60 000 mecs. Putain. Ouais... Bon, je me demande combien de pop doit avoir à Alexandrie ou à... Ça doit être pas mal non plus, hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Ça sent pas bon, ça. Il est en guerre contre qui, le Gaulois au nord, là? Gênes. Ah, d'accord. Ouais, Gênes et l'autre. Ah, là. Non. Ah, Gênes, je crois, il est en guerre contre des mecs, contre les anciens ennemis de la Ligurie. Ils veulent que je joue la guerre contre toi, ils arrêtent pas, hein. Ouais, bah c'est pareil pour moi. Mais non, il fait une sortie. Ouais, Ragnar, une petite bataille contre... Non, je vais attendre les renforts. Ragnar, j'ai vu qu'il y avait 2 stacks, j'ai mon espion à côté. Ouais, bah... Tu chies dans ton ben avec 2 stacks. Il s'était pas apporté, les renforts. Ah merde, donc t'avais un stack engagé. Ouais. Sinon, je l'aurais fait. Hein. Bah en fait, si j'avais mes 2 stacks dans le rayon, il aurait pas tenté une sortie. Ouais, c'est ça, ouais. Il aurait été considéré comme perdant, il aurait pas pris le risque, quoi. Et comme j'avais un peu la flemme de la faire, cette bataille. Voilà. Oh, je suis bloqué sur le. Ah non, c'est bon. Non, c'est le petit temps de latence. Alors... Ah oui, t'as un 3 stacks, Ragnar, au secours!
Putain, et combien ça te coûte 3 stacks Ragnar en thune? Parce que moi déjà, avec 2 stacks, c'est... je peine à avoir de l'argent à investir. 3 stacks? 3 stacks, ça doit te coûter quand même bonbon, hein. Ça coûte quand même... Ouais, ça... Putain. 1000, ouais. Je vais regarder. Ça doit être cher. Bon, fais ton tour, t'emmerdes pas avec moi. Ouais, non, mais je te dirai quand ce sera ton tour. Hop là. Ici, sur complète la flotte, voilà. Complète la flotte, parfait. Attends, j'ai un beau black en amiral, il y a un côté Idris Elba, Ragnar, tu verrais ça, c'est impressionnant. Ah ouais? Ah ouais. Il a une espèce de peau de tigre tout autour des épaules là. Ça en jette hein. Balhamun be praised. Bon après faut voir ce qu'il y a dans les stacks aussi François. Bon, je suis encore en guerre contre Epidamnos. L'affreux là-haut. Epidamnos ? Ouais. Ah, le... Tu as Larissa, là ? Mais ton copain... Tu as... Non, les navires catapultes ou scorpions, j'ai vu, c'était de la merde, hein, excusez-moi. Dans le mode, c'est de la merde. Vos trucs de clodo, là, j'en veux pas, hein. J'ai vu que les béliers, c'est la vie, hein. Ça fait poum poum, c'est simple, j'ai pas trop... Le meilleur truc, ça reste les Marines. Hein. Voilà. Parce que les Marines, tu peux prendre des villes, et Ouais, c'est utile pour prendre des villes fortifiées, on n'en sort pas... J'ai essayé de toucher le moins possible au bateau, vu les bugs qu'on a dessus, hein. Est-ce que j'ai un passage de niveau? Non. Et bah, ça va être à toi. Nice. Écoute, À toi. Let's go. Au total, mon armée, elle me coûte 13 000. 13 000, putain. Ça te coûte une blinde, hein. J'ai pas les impôts au max. À la moitié. Alors, on va faire ça. Et on va partir sur ça. Voilà. Là. Hop. Let's go. You have further orders? The men must trust. Voilà. Ok, ici on est pas mal. Tes units. Donc là, ça coûte. We need good strong men. Voilà. Et 10 000. Good orders, my lord. Heading for port. We fight for you, my lord. Advance. Balhamun be praised. On the move, my lord. Quoi, tu vas rester là? Hop. Ok, on est pas mal. J'ai encore pas mal d'argent à dépenser. On va continuer à investir. Putain, et les ports à coût de 5000, au secours, hein. Port niveau 3? Ouais. Ça coûte cher, hein. Ouais, ça qui coûte cher. Ouais, tout coûte cher dans ce jeu à la con, là. J'en étais où? Ouais, j'en étais où? On peut se permettre encore de taper dans les finances. Ah, mais après, quand tu vois que une ville qui a été pillée 3 fois, tu peux encore la piller 10 000. Voilà, quoi. Ouais, j'avoue, hein. Ouais. Ça rattrape. Allez, à toi de jouer. Ouais. Voilà,
Patavium qui va tomber au tour d'après. Elle est déjà tombée, Patavium. Oh putain, oui, t'as déjà pris Patavium, joli. T'as fait une petite bataille auto à Patavium ? Ça t'a pas coûté. Ouais. Ça a pas coûté j'ai pris 1%. Oh, ça va. Ça va. En fait, bah, il l'avait pris juste avant, en fait. Donc, non, c'est bien que ça coûte cher, François. C'est bien que ça coûte cher aussi. Hein. Ça évite de spam. Tu sais, construire un port à 5000, c'est un investissement, tu vois. Genre, tu sais que bon. Voilà quoi. Après, quand t'as beaucoup d'armées levées, voilà quoi. Construire des bâtiments, c'est compliqué. Ou sinon, quand t'es en guerre punique aussi, construire des bâtiments, c'est compliqué. Quand oh tu non, perds de légions. Tu recaptures tes propres villes, tu fais espoir de perdre les villes pour les reprendre. C'est à coût de 10 000, ça finance ton effort de guerre. Ouais, mais après, t'as plus de pop. Ah bah ouais, tu bah peux ouais, plus bah rien ouais. faire. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai pas pillé les villes en Italie, hein, sinon je l'aurais fait. Aussi. Juste pour stacker l'argent, quoi. C'est juste prendre. Comme ça, je serais arrivé en deuxième guerre punique, j'aurais 1 000 000 là. Alors mais c'est full rebelle cette armée. Comment t'as levé une armée en deux tours? Je vois un mec, il fait des allers-retours avec ses armées, genre. C'est des allers-retours dans le nord de la Gaule? En Das. Ah ouais, je sais même pas où c'est ça, mec, hein, moi. Au-dessus de la Thrace? Oui, non, mais je derrière le fleuve. Je sais où c'est les Das, je te dis que moi, en tant que Carthaginois, tu sais, je vois à peine la Grèce. T'es dans les Das. Ah, j'ai des amis là-bas. D'accord, t'as des amis. Hein. Je vais aller voir au passage mes messages. Alors. Qu'est-ce qu'ils font tes petits vassaux là? Ils envoient une armée, c'est ça? Ah non. Alors. Oh, il m'énerve lui. Bon, bah, bataille. Ah! Aïe aïe aïe. Alors, ok, bataille. Alors, c'est une embuscade à la con cette fois ou quoi? Non, il fait une sortie. Ah, ok, il fait une sortie. Allez, let's go, on va essayer de te faire des pertes. Hein. Donc, t'as une garnison là. Ah, c'est. Oh putain! C'est du clodo. C'est pour ça que je ne comprends pas, tu vois. Pourquoi il fait une sortie? Et au moins, tant mieux, parce que en ville, ça aurait duré longtemps. Là, ça va être réglé rapidement. Ouais. Y'a aucune cavalerie, bon, basta quoi. T'es avec tes grosses unités de cheaté, lui y'a du clodo. Bah c'est mes unités normales. Hein. C'est fou quand même. Je crois qu'on va faire plus de batailles contre des gibbons que nos vraies armées. Beaucoup de clodo, hein. Beaucoup de clodo, hein. Spears. Ok. Moi, c'est prêt, Ragnar. Et bah, moi aussi. Let's go. J'ai mis dans un. Ah non. J'ai cru que t'allais te mettre dans un coin. Non, une garnison. Par habitude. Une garnison, ça suffit quoi. Petite bataille de ligne. Après, c'est une unité de 300. C'est quoi les stats? Ouais. Heavy horse! Warriors, ready! Tribesmen! Equo! Aguado! Tribesmen! Orders! Ready for battle! Bows! Spearmen! Ready! Heavy horse! Spears! Get running! Quickly
Ça fait aucun dégât, j'adore. One of our units has used all its ammunition. Ah, les archers, quand c'est pas des crétois ou des autres, ça fait zéro dégâts. Oh, mais pourquoi ma cavalerie est aussi lente, ok? Our general is under attack. The men are wavering. Voilà ça, c'est la bataille de général. C'est la fuite en Égypte. Hein. Putain, t'as quasiment pris aucune perte. Hein. Ah si, ouais, 180, ça va, ouais, 190, putain. Ça encaisse bien le Romain. Hein. Ouais, mais là, maintenant contre du Gaulois, avec ta première réforme, c'est... Je prends vraiment que de... Bon, allez, vitesse x2, hein, on va pas... Contre des Grecs, je pourrais prendre plus de pertes, mais contre des vraiment des Gaulois là. Ouais, puis bon, après, hein, c'est de la garnison, t'as beaucoup de caves, c'est cadeau quoi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Eh ben, ça a pas dû faire grand mal, hein. 200 non, morts. Vraiment des bons à rien. Je croyais que c'est une vraie armée, j'ai vu ça trop tard, sinon je l'aurais pas faite. La flemme, hein. Bah, la vraie armée est tombée en embuscade. Bon, encore un petit tour, Ragnar, on arrêtera là. J'ai eu une longue journée, j'ai pas encore mangé, figure-toi. Ah. Ah. Ouais. Eh ouais. Allez, repas, ça prend du temps. Hein. Il y a eu combien de morts, là en tout, à peu ouais, près, pas tant que ça. 5-6, ouais, non, quelque chose comme ça. 5-6-7, ouais, on a eu quelques belles batailles, on a eu beaucoup de guerres. J'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas tout vu. Il y a eu du spectacle. Pour une première session, c'est chouette. Pas eu de problème technique non plus, donc toujours bon à prendre. Bon, ça va. Allez hop, le massacre. Ah bah la cité, d'accord. Elle est pas tombée, super. Oh merde! Il y a trop de mecs qui se sont échappés? Ouais, bah, tu refais une attaque, très... Ah non, bah, tu fais le siège, ça prend deux tours. De toute façon, j'étais déjà en train d'assiéger. Ouais, voilà, bon, problème résolu. Hein. Hop. How can I serve Carthage? Baal Hamun be praised. Your orders, my lord. Thank you.
putain. C'est pas facile, hein. Ah, intéressant. Okay, sa garnison est déjà foutue, même. Tac. Je pourrais y aller en un tour. Passage de niveau, ça va être à toi. Ah, ici on a juste DEI, on n'a pas de sub-mode. Hein. On a juste le mode de base. Ce qui est déjà pas mal, salut derrière. Bah, ça, déjà le mode il a joué pas mal de trucs. Le, hein. Le mode est chouette, hein, pas chier. Hein. Bon, après le. Ouais, ah, il refait totalement les, le jeu. Hein. C'est un chouette mode, mais on voit qu'il y a des soucis derrière, mais ça c'est des soucis de ROM 2 en fait. Hein. Ouais, mais après c'est des soucis multi. Hein. Ouais. En solo, généralement ça arrive jamais. Hein. Genre les soucis de bataille, les problèmes ouais, de bataille navale. Les batailles navales, ça, sont vraiment mal foutues. Hein. En solo, ça arrive jamais. Hein. Comment ça se passe? Ah bah, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Ouais, c'est. Les temps de paix. Ouais, la gueule des temps de paix, putain. Je rotais du sang en temps de paix. J'ai déversé plus de sel en temps de paix que pendant la première guerre punique. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Bon alors Ragnar, t'avais pas que tes niveaux à faire là? Ouais, mais il y a une armée gauloise qui me fait peur là. Donc je reprends. Voilà. Nice. Parce qu'il y en a un, il se balade sur mon territoire comme s'il était en chez mode YOLO. Ouais. Désertion. Ah oh, putain, regarde, c'est une capitale, enculé. Ok, ici. Parfait, let's go. On va aller faire un petit peu de diplo. Est-ce que tu veux la paix? Non. Fuck. Ok. Internalize, fais chier. Et toi là-haut? Ok, alors toi. Toi, je vais te casser la gueule. I live to serve the mighty Carthage. C'est pas gentil ça. Ouais, tu sais. J'en ai un peu marre d'être gentil, Ragnar. J'en ai un petit peu marre d'être gentil. Ça se comprend. Ouais, j'en ai un peu marre d'être gentil. Ici, on va construire ça. Là-haut, on va construire ça. Putain, l'argent, mais ça coûte une blinde, tous les trucs que je fais là. La tour monte. Ici, ça remonte aussi. Ouais, à peine. À peine. Alors, on va aller voir comment ça se passe chez Ragnar dans le nord de la Gaule. What do you, swifter than the wind. Oh là là, les légions, au secours. Is there nothing more, my lord? On prend du galon. Ah, je vois ça, hein, ça rigole pas. Hein. How can I say, as you command, my lord. Ok. Bon, écoute, Ragnar, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. C'est pas mal, hein. Bah, on continuera la semaine pro. Putain, je vais peut-être commencer à faire la guerre en Espagne. Après, peut-être. 15 ans après la fin de la première guerre punique. Écoute, je vais peut-être aller en Espagne là. Et encore, il y a des mecs plutôt balèzes en Espagne, figure-toi. Donc, ouais, on va. Ouais, là, je vois. J'en vois un au nord. Je vois que la région est contrôlée par le Lusitania là. Le Lusitania il rigole pas. Hein. Vétones, Lusitania. Il a pas pris la moitié de. Ça rigole pas. Hein. Attends, je vais regarder en vitesse un truc. Ouais. Là il a fait libérer ça. Donc ça c'est son maître, d'accord. C'est son maître, ok, d'accord. Bon attends, je vais sauvegarder. Vas-y. Hop, session 7. Déjà 7. Eh, ça passe vite hein. Ouais. 7 hein. Mais bon, c'est une bonne game hein. C'est fun hein. Ouais. Pas facile, hein. Deuxième guerre punique, oh il n'y aura plus personne dans le pays. Il n'y aura plus personne, ça y est, ça sera fini. Hein. Bon, écoute, Ragnar, je t'abandonne, tu me tiens au juste un souci pour la semaine pro. Bah, normalement, non. Ça va marcher. Allez, ciao, mec, passe une bonne soirée. Vas-y, ciao, bonne soirée.
Et ouais, pour les autres, demain, je ferai un flash news à 14h pour voir un peu où ça en est la gamme de 4, voir un peu les pays en détail. Et en soirée, je continuerai le royaume réunifié. Mardi, Panzer Corps. Retour en Italie, enfin sur le front ouest. On va en Italie. En soirée, on aura un Warbird. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, bonne journée, bonne fin de week-end. Et je vous dis à ciao, ciao. Salut tout le monde.